Parce qu'en fait, comme j'ai tous, j'ai un système pour le couper, etc. Mais du coup, j'oublie. C'est bête, hein. Donc, je disais donc que. Merci, monsieur Mute. Je disais donc que c'était un jeu étudiant créé par une petite équipe et que ça avait l'air assez incroyable. Donc, si je tombe vers RB pour revenir au dernier écho, ok. On peut sauter, ok, d'accord. Donc voilà, c'est un peu brut et ça manque quelquefois de design sonore. C'est normal, c'est un projet étudiant. Je pense qu'ils n'ont pas eu tout le temps qu'ils voudraient pour le terminer. Ok, donc si j'ai RT, je cours et je peux sauter plus haut. Ok, c'est bon. Hop, voilà, on va mettre à mal un peu le live pour voir si ça fonctionne bien. En faisant ramouiller le jeu. Non, c'était pas voulu, mais bon, c'est arrivé. Ah, quoi ça? Je peux rien faire avec ça. Oh, j'ai activé quelque chose. Eh bien, allons-y. Hop, hop, et hop. Alors, je précise que le jeu est gratuit. Et vous n'avez pas le son du jeu non plus. Et moi, en plus, je n'avais pas moyen, en fait. Le son du jeu, il déconne pas mal. Là, vous auriez l'avoir. Voilà, là, vous l'avez. C'est pas grave, vous avez rien perdu. Hein. Toujours très professionnel. Je pense qu'il faut que je le fasse beaucoup pour que ça rentre. C'est des automatismes, en fait. Donc, voilà. Nous avons terminé le tuto. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Ok, je peux placer mon écho où je veux avec X. Me sert à quoi? Va bien me le dire. Je comprends pas. Ah mais oui, d'accord, c'est pour pouvoir me téléporter. Que je suis bête. Que je suis bête. C'est logique. Alors, du coup. Ok. Ah! D'accord. Il faut tracer. On est prêt? On va poser notre écho au cas où si on tombe. Bah voilà, par exemple là. Le jeu ramouille, c'est bien dommage. Tricher, sauter par là. Ouh! Mais non, j'ai fait la téléportation, quel abruti. Allez! Oui. Je suis là-bas pour moi. Ah mince, ça n'a rien fait spécial, d'accord. Là-bas que ça a ouvert quelque chose. J'arrive, le tuto n'est pas terminé donc. Ah, je me suis fait trop avoir. J'ai voulu jouer le timing, genre je connais parfaitement et tout. Comment je fais? Comment je suis censé faire ça? Peut-être en plaçant mon écho dans le vide? Y a moyen.
Ah, c'est ça, mais je l'ai mal fait. Dommage. Ok, j'ai ouvert le passage. J'ai ouvert le passage, les amis. Let's go. C'est beau, c'est très très beau. Ah, nous sommes dehors, enfin. Alors, bah alors. On va se rendre ici. On va activer. On se téléporte. Regardez-moi ce niveau. C'est ouf. C'est assez ouf. Ok. Ok, faut qu'il y ait ici aussi. Passer par ici. Waouh, tu ramouilles. Alors oui, du coup, il faut une machine un peu puissante pour le lancer. Voilà, ça va encore, mais il y a des gens, ils ont vraiment trop de mal à lancer le jeu. C'est où? Oh là là, comment ça rame? C'est l'horreur. L'horreur, ça monte là. Pas sûr que j'aille au bon endroit. Hein. Vais aller me balader. Est-ce que gros. Ok. Si vous aussi vous pensez que je suis allé trop loin, vous avez sûrement raison. Oh, dommage, j'avais rien. On va remonter tranquillement. Hein. Tranquillement, j'ai dit. Par là, vas-y. Ouais. J'ai pas compris à quoi ça servait. Ah,
Hop, hop. Ok, du coup, est-ce que je peux essayer de monter? Non, je peux pas. Revenez là où je devais être. Donc maintenant, il faut que je trouve comment l'activer. Par ici? Par ici, ça me paraît pas mauvais. Ouais, mais ça, non, je peux pas monter là. Je ne peux pas monter ici. Oh mon Dieu, j'ai fait la téléportation. Quel abruti. Comment j'exploite des bugs abusés. Allez. Oh, c'est pas vrai. Voilà. On y revient. Oh mais vas-y, je t'en rends tousser, tu tombes. J'aurais pu faire en sorte qu'il ne rame pas, je pense, en mettant en moyen visuellement, mais ça m'a embêté puisque c'est un... C'est principalement pour ces visuels que je voulais jouer. Son gameplay fonctionne, mais il est très... Très rigide. Je sais pas si je vais tomber en fait. J'ai l'impression que je vais activer un truc au-dessus. Mais si ça se trouve tomber, ça peut être aussi une idée. On va essayer. Oh non! D'accord. Ok, j'ai du jaune. Je sais pas ce que c'est. Alors, s'il y avait une progression dans le jeu, je viens de la mettre en l'air, hein, je pense. Hein. Tout simplement. Mais les sauts sont pas ouf, en fait. Ça, c'est vraiment pas... Oh, mince! Comment vous avez entendu quelque chose s'ouvrir? Je ne suis pas fou. Ah ouais, d'accord. J'ai venu là. Genre je serais venu au début? Genre ça s'arrêterait jamais. Ça expliquerait pourquoi la chute n'a pas de fin. Et oui, c'est ça. C'est ça.
J'ai revenu au début. Ça me rassure un peu, ceci dit. Alors ça, du coup. Ça, je vois pas, quoi. Je vois pas comment je peux... Oh. Comment je peux y aller là-haut? On l'a vu l'interrupteur là, mais comment j'y vais? J'ai hâte de courir parce que ça me fait pas sauter plus haut, sauter plus loin. Mais par contre, ça me fait tomber. Donc on va jouer un peu plus safe. Oula! Donc moi je dis forcément, faut aller ici. On est d'accord? Hop. Mais après. Le docteur, il est là-haut. Et lui, il me gêne. Est-ce qu'il y a un moyen de monter en tournant autour? Est-ce que là, j'ai un moyen de monter déjà? Et à l'envers, ça va pas m'aider. Là, y a rien. Bah non, hein. C'est très embêtant. Là non, sûrement pas. Par là. Alors. Alors là, ça m'embête beaucoup. Vraiment aucun endroit pour pouvoir y aller, hein. Un interrupteur. Bon, c'est pas grave, on va continuer, on va faire une autre énigme, de toute façon, on revient là. On va voir là-bas. Ah non, j'ai fait trop. Alors. Ici, c'est où j'ai trouvé l'herbe jaune. Oh. Ok, ça a l'air intéressant.
Quoi, faut que je monte sur ce petit truc? Eh ben, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Hop. Revenons-en à nos moutons. Alors donc du coup là je suis perdu. On va tenter ça déjà. Monter jusque là, je pense. Non, j'ai récupéré! Oh, je suis tellement deg. Tellement deg. J'aurais pas récupéré, j'aurais pu me téléporter dessus. Ah, quel abruti. Ah, quel abruti. C'est dur, hein? Bon, à 10 FPS, c'est encore plus dur aussi, c'est ça, ceci, mais... Allez. On y croit, on va y arriver. Y a pas de raison. Alors, oh! On va avoir un dash. Voilà à quoi ça sert. Faut explorer pour avoir des nouvelles possibilités. C'est pour ça que je pouvais pas. Press B pour le quick forward dash. Quick forward dash, je confirme. Wow, c'est trop bien. C'est trop cool. On commence à débloquer des trucs. Là, je suis complètement conquis. Bonjour. Un moulin. Quelque chose est caché dans le moulin, c'est sûr. Voilà, on est dans le moulin. Et il n'y a rien du tout.
Je voulais essayer, c'est bon. Oh, mais c'est tombé dessus en... Hey, je vais tricher. Je vais tricher. J'essaie de tomber sur la truc. Non, mets-toi plus là, d'accord. Regardez-moi ça quand j'ai triché. Hop! Et voilà, pas eu besoin. Pas eu besoin de faire tout ce truc. Il suffit de tricher. Hop là. Hop, petite téléportation pour ouvrir. Et ça m'ouvre à quoi? Oh. Accepte la marque. Les yeux vont marquer Break the Pillar for Free the World. Ok. Bonne ambiance. Est-ce que je peux aller dans les options? Ah mais je peux pas baisser la... Oh là là, je me fais spoiler, je regarde pas. Il y a plein de trucs à débloquer. Alors, faut péter les pillars là-bas, là? Oh, donc, chaque pillar, c'est une petite énigme, j'imagine. D'accord. C'est super chouette, hein. Vraiment, très réussi le jeu. Putain, mon image, elle est trop trop colorée, c'est abusé. Ah, c'est à cause du jeu. Ok. Un truc au-dessus là. Et puis même au jaune. Prendre l'aiguille, planter l'aiguille. Et ça a fait quoi? D'accord, c'est génial. Ok, on y est. On commence à jouer avec. Avec la distorsion de l'espace. Et c'est vraiment cool. Bon, moi je dois aller. Là, je reviens. Ah. D'accord. Ah oh, mais c'est trop bien. M'amener mon aiguille autre part. Par là, ça me semble bien.
J'ai pas compris. Je me suis fait U là? J'ai l'impression que je me suis fait U. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Oh là là, on tourne en rond. C'est le jeu où on passe le plus de temps à tourner en rond. Ok, donc moi je la mets là. Oh, c'était trop malin. Et je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je trouve ça limite dur en fait pour certains. Je pense que si t'as pas un peu de passif jeu vidéo, ce qui vient de se passer, c'est un peu chaud pour le faire quoi. Je dis ça, mais là, je suis pas plus avancé. Alors que je vais te faire ça. Une énorme bourde. J'ai fait une énorme bourde. Mon Dieu. Ah mais oui, mais merci. Du coup, je vois pas où est-ce qu'elle est arrivée, l'autre stèle là. Non! Je voulais poser une déportation. Ah bah bravo! Ah bah bravo! Mais j'ai plus l'aiguille.
Elle est en haut. On est bien. On parvient à y aller. Sachant que c'est au-dessus de ça. Et qu'on peut pas y passer par là. Est-ce qu'il y a un moyen d'y aller d'en bas? Pas l'impression. Ah, mais c'est super chaud! Attendez. Comment on fait? Rien d'ailleurs, d'accord. Alors là, c'est vraiment le piège, quoi. Je vois pas du tout. Comment on fait pour monter là-haut? Ou alors on... alors on fait autrement. On la ramène là. Jusqu'où elle est descendue, mais elle est descendue.
Et on la réactive de façon à être en à horizontale. Que je la retrouve quoi. Bordel, je la retrouve pas. Ah non, parce qu'il faut du coup, il faut quand même que je l'ai dans les mains, et pour l'avoir dans les mains, je serai à la verticale. Donc c'est pas possible. Donc il faut bien que je parvienne à... J'aurais un double saut, ce serait pas la même. Je pense qu'en fait, je peux pas le finir, comme d'hab. Et si je fais ça? Ah, mais si, je peux pas laisser le truc. Il dit que c'est là. C'est juste là, bon sang. C'est juste là. Qu'est-ce que c'est frustrant? Ouais, bon bah je quitte hein, je suis perdu. Je suis perdu et je me demande s'il me faut pas plus de pouvoir pour y arriver. En tout cas c'est un chouette jeu. Vraiment c'est un chouette jeu. Après ouais c'est beaucoup de réflexion hein, par contre. Hein. Préparez-vous et beaucoup de fouilles, beaucoup de fouilles. Ok!